Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano pour une vidéo spéciale. Donc c'est pour annoncer un événement. Je suis allé au coiffeur et là j'ai une vraie coupe de cheveux qui fait pas clochard. Voilà, vous pouvez admirer. Mais ce n'est pas le sujet principal donc de cette vidéo. Donc le sujet principal concerne ce jeu. Encore une fois, oui, il y a Yanomami 22, Tempête de glace. Alors ça va être une vidéo très rapide, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Donc ce vendredi, là, donc on est le 24 aujourd'hui, je vais faire une petite vérification. Le vendredi 27 donc, je vais donc faire un live à partir de 21h sur Livestream. Qu'est-ce qu'un live? En gros, je vais jouer et en même temps vous poser vos questions. Et si je peux, évidemment, je vous réponds et je vous le montre aussi en direct sur le live. Voilà. Donc, ce sera à 21h sur le site Livestream. Pour pouvoir communiquer avec moi, vous avez deux solutions. Soit vous avez un compte sur Gear Network et vous aurez accès à un chat sur Gear Network pour me parler. Soit vous avez un compte ou vous créez un compte sur Livestream, donc le site. Vous pouvez me laisser des messages. Ou encore, si vous ne pouvez pas participer, malheureusement parce que vous n'êtes pas là, vous pouvez m'envoyer des messages privés ou des commentaires en me posant les questions qui vous turlupinent sur le jeu, sur les personnages à recruter, sur les objets à trouver, tout ça. Vous me posez la question en message privé ou en commentaire, et moi, pendant la vidéo, pendant le live, je répondrai. Et ce live, de toute façon, sera retransmis sur les différentes chaînes, donc ma chaîne Dailymotion, ma chaîne YouTube et ma chaîne et la chaîne Amatest.com. Le live sera regroupé, donc les questions que vous aurez posées, vous aurez les réponses. Bien évidemment, si je peux y répondre, si je connais la réponse, hein, ce sera mis de partout, comme ça, si vous l'avez raté, vous pourrez revoir le live. Mais malheureusement, vous ne pourrez plus communiquer avec moi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, voilà, alors je crois que j'ai tout dit. Alors aussi, j'ai j'ai rejoué donc, à ma partie sur ma DS, et j'ai vu que j'avais oublié un objet dans la forêt de Fuji qui est pas mal important. Et il y a encore une équipe à affronter que je vous ai pas montré. Donc je vais sûrement faire une vidéo bonus, encore une fois, je suis gentil. Parce que le faire en live, ça serait peut-être un peu long, et puis je pense que... Je sais pas encore. Si vous voyez une vidéo 45, c'est que j'aurais fait donc la vidéo bonus. Si vous la voyez pas, je ferai sûrement ce qui manque en live. Donc voilà, voilà, voilà. Que dire d'autre? Je pense que c'est tout. Donc rendez-vous à 21h sur live stream. Donc il y aura le lien en bas, dans la description, il y aura le lien de ma chaîne, mais elle sera ouverte qu'à partir de 21h pour Inazuma Eleven. Je fais d'autres lives des fois pour m'amuser, pour passer le temps. Mais ça, pour être au courant, il faut être abonné sur ma page Facebook ou venir sur le forum amatest.xoid.fr où des fois j'écris, donc je fais un live de tel jeu à telle heure. Donc voilà, voilà. Et puis je crois que c'est tout, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. N'hésitez pas à passer sur amatest.com et amatest.xoid.fr. Salut tout le monde.